était juste. Oh, oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Je dois reconnaître que c'est en partie grâce au travail acharné d'étudiants comme vous que notre fête annuelle des sciences est un succès. J'adore y participer, Monsieur Pebbleton. Les formations rocheuses volcaniques sont tellement fascinantes. Bonjour, Monsieur le Directeur. Bonjour, Monsieur le Directeur. Bonjour, Monsieur Pebbleton. Bonjour, Mesdemoiselles. Oh, Mademoiselle. Non. Je n'ai jamais vu cette jeune fille à Torrington. Ce n'est que Parpa. C'est une jeune étudiante qui nous vient de Bavière. Moi, Parpa. Je viens de la Bavière. Alors j'espère que vous appréciez votre séjour ici. Parpa aime. Bon, je vous souhaite une bonne journée à toutes les deux. Pas à la tête, t'as décidé de nous faire renvoyer. Et puis d'abord, c'est quoi ce déguisement ridicule? Je n'ai pas trouvé de meilleure ruse pour m'approcher des pom-pom girls. Tu admettras quand même que c'est une super idée. J'en ai marre de tes plans idiots que t'imagines dans ton cerveau malade pour braquer les filles. À partir de maintenant, tu feras sans moi. Pas de problème, je suis tout à fait capable de m'en sortir tout seul. Le centre. Ça vient de cet arbre? Je ne vois pas le portail. Merci, Java. Martha Mystère, identifié. Java des cavernes, identifié. Diana Lombard, identifié. Identification terminée. Salut les potes. Salut Billy. Depuis quand tu portes des jupes, Martin? Grâce à elle, j'étais à ça d'infiltrer un groupe de sublimes pom-pom girls, stupide. Oh, bien sûr, je suis trop bête. Pourquoi n'y ai-je pas pensé moi-même? J'utiliserai ta petite astuce à la prochaine fête du bureau. Les garçons, je me permets de vous rappeler que nous allons à une réunion de mission. Ainsi que vous le voyez, votre emploi du temps sera partagé entre l'entraînement et les études. On vous distribuera des blouses à l'intendance. Je vous attendais, agents spéciaux. Aujourd'hui, votre destination sera Terre-Neuve, où une femme aurait été aperçue congelée dans un iceberg. Une femme congelée? C'est peut-être une néandertalienne comme Java, ou encore une cracheuse de glaçons comme Frigida dans la BD de la Reine des Glaces. Billy fera en sorte que vous ayez tout le nécessaire, à commencer par des vêtements décents. Bon, si vous voulez bien m'excuser... C'est la grande vie. Si tu savais comme j'ai hâte de goûter aux spécialités terneuviennes, comme le fameux ragoût de morue. Trop cool.
Oh, et les intestins de phoque farcis aux yeux de thon et les beignets tentacules. Yeah, ne parlez plus de nourriture, d'accord? Oh, mais on en était qu'au hors d'œuvre. Là-bas! Hein? Ça y est, c'est bien lui. Et rappelle-toi, Martin, ne compte pas sur moi pour te sortir d'un quelconque guépier. Martin? Tu m'as entendu? Et à peu près, qu'est-ce que c'est pas passé? Impossible, manœuvrer bateau et iceberg arrivé très vite. Et puis visage de femme dans glace, comme un fantôme. Pas vu autre chose juste après. Accident. Oh, en tout cas, on n'a pas trouvé de femme congelée dans cette zone. Oh, si ça se trouve, c'était une sirène en vacances d'hiver. Je vais 10 000 fois mieux que ça. J'ai découvert un ange de glace. Ah, j'hallucine, un ange de glace. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dois admettre qu'on dirait effectivement un ange de glace. Mais qu'est-ce qu'il fait au cœur de cet iceberg? Joli. Regardez-moi cette plume. C'est carrément irréel. Ça suffit. J'y pense, et si cette mystérieuse femme congelée était une espèce d'ange déchu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'incarnation du mal sur la Terre, si tu vois ce que je veux dire. D'après le mensuel du paranormal, c'est un phénomène qui a déjà... Oui, c'est cela, oui. Avant de sombrer dans le délire le plus total, envoyons cette plume à Billy pour l'analyser. En attendant les résultats, on ira enquêter en ville. À nous les burgers au calamar. Oui. Voilà ce que j'appelle une mission hyper cool. Une mystérieuse beauté angélique, un port de pêche ultra sinistre et des burgers 4 étoiles au guide Gros Rototo. Cœur brisé. J'aimerais trouver le point commun entre les éléments dans cette enquête. Trouver le lien. L'amour jamais ne pardonne. Eh bah dites donc, ça fait chaud au cœur de voir comme vous m'écoutez, vous deux. Je vous demande pardon, mais vous allez où comme ça? Tu peux pas entrer là-dedans, Martin, t'as pas l'âge. Et en plus, c'est un endroit réservé aux marins. Tu l'auras voulu, mais ne compte pas sur maman Diana pour te sortir de là si tu t'attires des ennuis. Réservé aux marins, réservé aux enquêteurs sans cervelle, oui. Opérationnelle durant 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je viens de te sauver la vie.
Tu ne te rappelles pas? Non, pas vraiment. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il y a 2 minutes, je dégustais un délicieux burger et maintenant, je me retrouve au milieu de ruines. Oh, j'ai dû manger un truc qui passe pas très bien. Bravo! Il est brillant, monsieur, je sais me débrouiller tout seul. Nous avons affaire à un ange déchu. J'avais raison une fois de plus. Venez, je sais comment le capturer. Non! Laissez cette créature en paix. Elle est le mal, elle est impure. Ne vous mêlez pas de choses que vous ne pourriez comprendre. C'est compris. À votre avis, lequel est le plus effrayant, la créature hurlante ou ce vieux schnock timbré et denté? Tiens, en parlant d'angoisse, écoutez ça. Oups, je ne voulais pas vous faire peur. Bon, passons. D'après mes analyses, non seulement cette plume a plus de 50 ans, mais en plus elle contient à la fois de l'ADN humain et de l'ADN de volatile. Donc notre créature est moitié oiseau, moitié humaine. Oh, mais il s'agit peut-être d'un phénix. Écoute, Martin, je crois que tu as émis assez de théories pour aujourd'hui. Oh, encore une chose. La plume contient des particules de quartz et d'orthose. Quartz et orthose. Si vous les mélangez, vous obtenez du granit. C'était mon projet pour la fête des sciences. Donc, s'il y a une falaise de granit dans les environs, c'est là que niche notre créature. Exactement. Alors, bonne chance. En route. Agissons avant qu'elle ne frappe à nouveau. Ouais. Plus rapide qu'un ascenseur, le Java Express. Reviens pas, Martin. On dirait ta chambre d'internat, mais en plus propre. Ah ouais? Vraiment très drôle. Oh, là-bas! Oh là là là! Elle a l'air d'une beauté incroyable! Oui, bon, d'accord, elle est pas trop moche. Mais rappelle-toi de quoi elle est capable. Hein? Hé, regardez ça! Mon éternel amour, Rolf. Rolf? Ça ne serait pas le nom que chantait notre femme oiseau tout à l'heure? Java, pas aimer. Java, avoir peur. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez des cheveux magnifiques? Qu'est-ce que tu fais? Et que votre robe est d'une rare élégance? Reviens ici tout de suite! Martin! Oups, je ne voulais pas vous réveiller, jolie demoiselle. D'ailleurs, faites comme si je n'étais pas là, hein. Vous pouvez vous rendormir, d'accord? Martin, si tu continues, on va partir sans toi. J'arrive. Oh, dommage qu'elle se soit réveillée. J'étais à 2 doigts de conclure. T'es obligé de la réveiller avec ton baratin bidon. T'es irrécupérable. Non, c'est pas vrai. Voilà que ça recommence. Mode turbo-grappin. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu n'as pas remarqué notre plongeon d'une falaise de 300 mètres de haut et qu'une femme oiseau a essayé de nous tuer? Non mais je rêve. Vous avez encore tout oublié? On dirait qu'on vous a fait subir un lavage de cerveau. Et attendez un peu. Eh oui, mais c'est ce chant mystérieux qui vous rend amnésique. Chant? Martin, active le Légendex. Chronoscan activé. Mode Légendex. À présent, sélectionne mi-femme, mi-oiseau. Légende et mythologie de la sirène. Oh, une sirène, c'est encore plus cool que le phénix. Sexy et cool. Bon, lit. Dans la mythologie grecque, une créature mi-femme, mi-oiseau attirait les marins à leur perte en les envoûtant par son chant. Ulysse, le héros de l'Odyssée, parvint à résister à l'enchantement en se faisant enchaîner au mât de son navire et en faisant boucher les oreilles de son équipage avec de la cire. Maintenant, je comprends pourquoi je n'ai pas été envoûtée par la sirène. Elle ne s'attaque qu'aux hommes. Mais pourquoi a-t-elle mis aussi longtemps à en faire surface? La réponse est Sven et Olaf. Ils l'ont libérée quand ils ont heurté l'iceberg avec leur bateau. Ça, je veux bien. Mais comment a-t-elle fait pour se retrouver piégée dans la glace? Rolf. Java, t'es un génie. Rolf n'est autre que le vieux zinzin d'hier soir. Cette photo a été prise il y a une cinquantaine d'années. Et c'est aussi l'âge de la plume que nous avons découverte. Nous devons mettre la main sur Rolf si nous voulons des réponses. Mais pour l'instant, j'aimerais bien savoir comment on part de cet endroit. Oh, détends-toi, on a un max de temps devant nous. Tu oublies que cette sirène est à moitié oiseau de proie. Elle ne doit être dangereuse que la nuit. Je te rappelle qu'on est à Terre-Neuve et que les journées sont courtes. Je sais, c'était pour tester tes connaissances. Ouais, c'est cela, oui. Voilà notre billet de retour. Accrochez-vous pour un petit tour de surf arctique. Oh, c'est trop cool, ouais. Arrêtons cette sirène avant qu'il ne soit trop tard. L'endroit était sinistre, mais il ne méritait pas ça. Oh. Comment va-t-on faire pour retrouver Rolf au milieu de tous ces gravats? Par là. C'est bien, mon Java. Pour vivre dans un endroit comme ça. J'y suis obligé si je veux échapper à cette créature maléfique. Elle ne me retrouvera jamais, jamais, comprenez-vous? Mais elle vous cherche, elle a mis la ville sans dessus dessous à cause de vous. Oui, des centaines de personnes sont en danger, racontez-nous votre histoire. C'était il y a maintenant 50 ans. J'étais tombé amoureux de la sirène. J'étais jeune alors, rapidement j'ai éprouvé de la lassitude. Quand je l'ai quittée, elle a fait le serment de me détruire. Alors, je l'ai attirée à bord de mon chalutier, je l'ai congelée et je l'ai abandonnée sur la banquise. Mais aujourd'hui, elle est revenue. Le monstre, ce n'est pas cette pauvre sirène, Rolf. C'est vous. Hein? Exact, mais c'est elle que nous devons arrêter maintenant. Sinon, elle va transformer tous les marins de Terre-Neuve en appât. Et notre grand copain Rolf va nous y aider. Comment? L'Odyssée, ça ne vous dit rien? Hein? Bien joué, Martin! Bravo, très féminin ce raid. Encore plus fascinant que le chant de la sirène. Mais ça va pas la tête. C'est dégoûtant ton truc. Ça t'évitera de succomber une fois de plus au charme de la sirène. À vous de jouer, Rolf. C'est le moment. Détachez-moi tout de suite. Vous n'avez aucune chance. Et nous, on n'a pas toute la journée, Rolf. Je suis le marin au mât enchaîné qui brave la tempête, les flots déchaînés et toujours se pose la même question. Me rendras-tu enfin mon affection? Vous voyez, c'est inutile. Non, non, continuez. On me traite de sang-froid ni loin, mais viens. Viens, toi, me dire pourquoi. Alors, il n'est pas super mon plan pour attirer les jeunes filles?
payer pour ton cri. Elle va nous échapper. Pas si je peux l'en empêcher. Java, repêche Rolf. Moi, je me charge du drôle d'oiseau. La prise à bord. Tous mes compliments, agents spéciaux. Grâce à vous, le centre va pouvoir étudier pour la première fois le comportement d'une sirène. Je regrette d'avoir été si dur avec toi. J'ai eu tort. Ma chère, vous savez que je pourrais vous faire oublier ce type en moins de deux. C'était bien tenté, Martin, mais nous avons bien assez de mal pour notre programme de croisement hybride. Son petit cœur de sirène sera guéri en un rien de temps.